Qu'est-ce que vous pensez de la guerre en première frappe? C'est-à-dire que la doctrine officielle, c'est le nucléaire, c'est la dissuasion. Si les autres l'ont, nous l'avons, et comme ça, personne ne l'emploie. Et le général Voltaire se répond, sénatrice, je suis un chaud partisan de la guerre en première frappe. Ça veut dire que les États-Unis se donnent le droit de frapper en premier, même si l'autre n'a pas employé l'arme nucléaire. Bien entendu, il y a plein de stratèges qui disent, bon, si c'est la guerre nucléaire, personne ne s'en sortira bien et les États-Unis non plus. Donc, Kissinger dit des choses comme ça. Le problème, c'est qu'en 14-18, personne non plus voulait une guerre qui allait durer 4 ans et tuer 10 millions de gens. Et c'est quand même arrivé.